Merci à tous. Merci. Madame, Monsieur, chers patriotes, chers amis, c'est donc en tant que président réélu des patriotes que j'ai le plaisir de vous parler ce soir et de conclure cette journée, on en conviendra tous, riche en humanité et en résistance. Je viens de voir comme vous hein, ce clip magnifique de nos 5 ans, en fait bientôt 6. Et je crois qu'on peut dire qu'on peut vraiment être très fiers collectivement du chemin parcouru. Vous me direz, formule convenue, vous auriez raison si c'était faux, mais c'est vrai. Regardez ce congrès. Regardez cette journée d'Arras. Honnêtement, qui aurait imaginé, il y a encore quelques mois, tant d'invités si différents, si talentueux, et qui pourtant, je crois qu'on le sent au plus profond de nous-mêmes chacun, nous donnent déjà le sentiment d'être si proches les uns des autres, dans l'union, l'unité et la communion d'un combat. Ce congrès, c'est l'œuvre d'abord d'une équipe dévouée, de courageux et de fidèles bénévoles. Qu'ils en soient vivement félicités et chaleureusement applaudis. Or, nous étions déjà venus à Arras, dans cette même salle. C'était en 2018, c'était notre premier congrès fondateur, comme on dit. Certains nous diront que on a le culte de Robespierre. On peut dire qu'on a celui peut-être des têtes qui roulent. Et entre nous, elles n'ont pas encore toutes fini de rouler. Mais on s'en occupe, ensemble. À l'époque, nous étions, oui, dans la même salle, mais nous étions 400. Alors on avait un petit peu tiré les rideaux, on avait un peu plus obscurci la salle. Enfin, l'ambiance était quand même là, au rendez-vous, hein. Mais je vous avoue que je suis quand même, et vous tous, bien plus heureux quand je nous sais 4 fois plus nombreux, comme aujourd'hui. Oui, 400 à Arras en 2018. 1100 en 2021 pour notre deuxième congrès à Beaurent-sur-Oise. Et aujourd'hui, je vous l'annonce, plus de 1600 à nouveau à Arras. Entre-temps, grâce à la même énergie humaine qui nous mobilise aujourd'hui, et en nous serrant les coudes aussi face aux horreurs qu'on a su traverser ensemble et qu'on traverse encore ensemble. Entre-temps, les patriotes ont organisé plus de 150 manifestations nationales. Mais aussi des centaines d'événements locaux, départementaux, régionaux. Les militants patriotes ont distribué des millions de tracts, collé des dizaines de milliers d'affiches partout, sur tous les murs de France. Notre mouvement, oui, a grandi. Il est même en pleine crise de croissance. Mais une heureuse crise. À Arras, première époque, nous étions 4000 adhérents. On est aujourd'hui 10 fois plus nombreux. Plus de 40 000. Oui, aujourd'hui, nous sommes le plus grand mouvement souverainiste de France. Plus de 300 personnalités ont été invitées à nos événements, en particulier aux manifestations nationales, de tous bords, d'Alexandra Orionkaude à Virginie Joron, en passant par Maître Divisio, les navigants libres, des pompiers, des soignants suspendus, Jean-Frédéric Poisson, Jacques Cheminade, Charles-Henri Gallois, Nicolas Dupont-Aignan, Marion Maréchal, Stéphane Ravier, Gilbert Collard, mais aussi
depuis son Canada en vidéo, Maxime Bernier, l'organisateur des manifestations pour la liberté au Canada et au Québec. Et en vidéo également Steve Bannon, qui a travaillé avec Donald Trump. Des responsables syndicaux, des sportifs, des artistes, et tant d'autres, et tant d'autres, et tant d'autres gens formidables. Je veux vous dire, hein, entre nous, je n'ai qu'un seul regret. Je n'ai pas eu le temps et je n'ai pas pu donner la parole au professeur Montagnier et j'aurais tant aimé lui rendre cet hommage. Nous avons tous ici une pensée pour notre prix Nobel qui a eu tellement raison. Et c'est pour cela d'ailleurs que, et ça on ne l'oubliera pas non plus, ni le président de la République, ni le gouvernement n'ont eu un mot lors de sa mort. Ça c'est une indignité, une tache éternelle sur notre drapeau. Oui, le rassemblement a toujours été pour nous une doctrine, une évidence, même une exigence. Et le sera tout autant demain, je vais y revenir. On a manifesté, on a, je le sais, profondément empêché des gens de sombrer. On les a aidés à tenir. On a peut-être allumé un peu de la flamme de l'espérance chez beaucoup d'entre eux. On leur a montré qu'ils n'étaient pas seuls. On est, vous n'êtes, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes des millions, et maintenant même des dizaines de millions. Il y avait tant et tant de moutons et pas assez de lions, oh, il n'y a toujours pas assez de lions. Mais beaucoup des moutons se sont transformés en lions. Ils bêlaient, maintenant ils rugissent. Eh bien ici, depuis le départ, on rugit. Il y a eu des moments durs. Et je vous l'ai dit, on n'oubliera rien. Y compris les calomnies de M. Darmanin et d'autres. On n'oublie pas. Mais on s'est aussi beaucoup amusé, hein. On a vu couler quelques grosses gouttes de transpiration sur le front de certains, et ça c'était drôle. Je me rappelle par exemple ce matin, quand on s'est dit « Allez hop, on prend nos voitures, nos camionnettes, et on va aller bloquer les Champs-Élysées. » Un petit grain de folie. Avec nos drapeaux, et puis on va aller s'avancer vers le palais. J'ai encore en tête, parce que j'étais... première camionnette devant, j'ai encore en tête le visage paniqué du policier qui nous a vu débarquer. On était à quelques dizaines de mètres du palais macroniste, avec notre cortège bleu, blanc, rouge et orange, nos fumigènes, et il m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit de faire ça. » Et il a ajouté « Vous n'avez pas déclaré ?» Je lui ai dit « Monsieur le policier, on ne peut pas déclarer ce qui est illégal. » Ça, c'était assez amusant. On a revendiqué la vérité, la justice sur les effets secondaires devant le siège de Pfizer. Bah oui, pourquoi ne pas aller directement au siège? Et là, c'était leurs agents de sécurité qui ont pris peur. Et on a vu débarquer très vite des voitures de police. Ah oui, on n'est quand même plus tout à fait un pays libre. Hein, ça, dès qu'on bouge le petit doigt, ça débarque, hein. Oh, je devrais aussi parler de cette opération contre la réforme des retraites, devant le siège de BlackRock, le vrai commanditaire, de ces drapeaux de l'Union européenne déchirés devant le siège de la Commission européenne à Paris. En plus, on l'a fait le 9 mai, le jour de la fête à l'Europe. Nous, on s'est dit, le jour de la fête à l'Europe, on va faire sa fête à l'Europe. Voilà, on est cohérent, on est logique, et on l'a fait. De cette manifestation impromptue, sauvage, comme on dit, un soir, devant le ministère du Travail, là aussi, contre la réforme des retraites, ils n'ont pas trop aimé, hein. Ils nous ont même envoyé la brave M. Hein. Et notre référent d'Île-de-France et de Paris, Dominique Bourse-Provence, a connu à cette occasion la première garde à vue de sa vie. C'est comme ça, vous pouvez l'applaudir. Ce qui m'a quand même bien plu, c'est en ce début d'été,
Quand je suis allé en Belgique, à Liège, on n'a pas mangé une gaufre, quoique, pour fêter ça, on l'a fait quand même. Mais déposé auprès d'un juge d'instruction belge une plainte pénale contre Ursula von der Leyen pour ses SMS, hein, ce échange avec Monsieur Bourla, Pfizer. Première plainte française sur cette affaire que j'ai déposée au nom des patriotes, en votre nom, à tous. Merci. Et en la déposant. D'ailleurs, j'ai une discussion très intéressante, je ne la révélerai pas, avec le juge d'instruction belge dans son bureau. Je peux vous dire qu'en la déposant, j'ai pensé à ces milliers de familles de victimes. J'ai pensé à Marc et Morissette. Et je me suis dit que tous ces coupables, tous ces pourris, tous ces corrompus payent qu'ils aillent en tôle et qu'on revive plus jamais ça, plus jamais ça. Alors oui, je crois qu'on peut le dire, on n'a pas chômé ces derniers mois. Je devrais bien sûr y ajouter l'engagement magnifique de nos 420 candidats titulaires et suppléants aux élections législatives, de nos formidables référents, délégués, équipes départementales, militants sur le terrain, et lors des législatives de cette belle alliance. Un succès avec Génération Frexit et avec Debout la France. Je vais vous dire, ici c'est certain, ici là, à Arras, ça n'est pas l'opposition, parce que l'opposition elle n'existe plus. Ici, mes chers amis, c'est la résistance. Nous sommes, vous êtes, nous sommes tous la résistance. Les justes, les braves, les gens debout, pas les gens qui se mettent à genoux. Pas les gens dans la compromission. Ici, on se tient debout, la tête droite, et on avance. Mais tout ça ne serait pas suffisant si on ne portait pas une cause qui nous paraît essentielle, qui nous fait vivre, qui nous fait vibrer, littéralement, qui nous transcende. Bah, notre cause, elle est simple, elle est limpide. Ici, on aime la France. Et on n'en peut plus de la voir dans cet état-là. Je crois que c'est pas plus compliqué, tout simplement. On ne veut pas de l'empire du mensonge. Pour ça, allumez la télé, hein. Enfin, j'espère que vous n'avez plus la télé, quand même. Faut juste regarder la radio, hein, pour l'instant, pour Sud Radio. Non, ici, on se bat pour la vérité, quoi qu'il en coûte. Ici, on ne veut pas vivre sous esclavage, sous QR code, sous masse, sous passe, sous identité, sous euro numérique. On ne veut pas que notre parole soit écoutée, surveillée, censurée par Monsieur Breton ou par Ursula. Non, ici, on veut la liberté, on veut l'intelligence et la beauté du débat. Ici, on veut la liberté d'expression et tous ses risques. Ici, on aime la liberté et on déteste l'esclavage. Voilà notre combat. Ici, on ne veut pas être dirigé par des corrompus et des malhonnêtes. On veut mettre les corrompus et les malhonnêtes en tôle. C'est pas la même chose. Et on veut remettre le bien commun et l'honnêteté. Vous savez ce gros mot-là? On veut les remettre au centre de tout. Ici, on veut pas des médecins de plateau télé. Enfin, depuis, ils sont devenus experts de l'Ukraine, vous avez vu. De l'énergie. Ah oui, ils sont multicartes. Hein. Non, non. Nous, on veut les médecins de famille. Ceux qui soignent. On veut pas de Karine Lacombe, on veut du professeur Perron, nous. C'est quand même simple. On veut pas un monde
de médiocrité, de wokisme et de laideur. On veut un monde d'excellence, d'intelligence et de beauté. Oh, je vais oser quelque chose. On veut même partout, dans le langage, dans l'art, dans l'architecture, dans la manière d'être, on veut réhabiliter le beau, avec un B majuscule. Ici, on ne veut pas d'une soi-disant opposition, avec des guillemets, majoritaire à l'Assemblée nationale depuis 15 mois, mais enfin, ils n'ont pas été fichus de voter ensemble une seule fois. Une motion de censure, ils se sont fait imposer 17-49-3. Ils doivent aimer ça. Non, nous, on veut la résistance totale. La rupture totale avec une oligarchie malfaisante. Un chemin d'espérance qui pourra remplacer le tunnel noir du désespoir mondialiste. Parce que biaisé, financé, calculé, pataugé, dans le petit jeu politicien, le petit marigot, ça suffit, quoi. Ce faux semblant dégoulinant de mensonges, de manipulations, dégoûte profondément nos compatriotes, et a raison. Regardez le spectacle pitoyable de leur rentrée. Pas la nôtre, leur rentrée. Regardez-les se précipiter au dîner de com' de Macron. Bien sûr, organisé un mercredi soir. Et les siffles, ils arrivent. Alors, on a eu le grand débat en 2019. Vous savez, Macron qui s'écoutait parler pendant 8 heures sur BFM TV, là. On a eu le Conseil national de la refondation en 2022, on ne sait pas ce que c'est devenu. On a eu les conférences citoyens, citoyennes pipo, là, il y en a eu pas mal. Et maintenant, Macron nous a tiré de sa poche un nouvel artifice de com'. Et les oppositions, entre guillemets, en sont complices. On nous a dit en compte rendu, il y a consensus total, c'est extraordinaire, sur l'OTAN, l'Ukraine, la Russie, la politique étrangère. Bon, bah alors c'est le dîner de consensus. Ok, on aura su. Je vais vous dire, je me demande si l'un des invités a amené sa collection de boomerang ou de tour Eiffel en allumette, hein, c'est pas... Ouais, ils ont dû se marrer chez Macron, hein. Moi, je vais vous dire, j'y serais allé 10 minutes. J'y serais allé 10 minutes. Pour lui dire, Monsieur le Président de la République, je reviendrai discuter sérieusement avec vous quand on pourra parler sérieusement. Aujourd'hui, la France ne maîtrise ni sa monnaie, ni son commerce, ni ses frontières, ni son immigration, ni son énergie, ni sa politique étrangère et de défense, ni sa santé, rien. Parce que nous sommes dans l'Union Européenne, dans l'euro, dans la CEDH, dans l'OTAN. J'aurais continué, je lui aurais dit, Monsieur Macron, ne faisons pas semblant. Je n'ai qu'une seule chose à vous demander. Organiser en juin prochain, le même jour que les élections européennes, ça aurait un sens, un grand référendum sur le Frexit. Et là, on pourra commencer à parler sérieusement. En attendant, Monsieur Macron, je n'ai nulle envie de partager le homard avec vous. Je laisse vos ministres le faire. Je n'ai nulle envie de servir votre com, alors bon dîner et bon vent. J'aurais claqué la porte et je serais parti. Voilà ce qu'il fallait faire au dîner de com. Franchement, ça suffit, je l'ai dit, les faux semblants. De quoi parle-t-on, là, dans leur rentrée d'Abaya, des derniers délires wokisto-féministo-viandophobes de Sandrine Rousseau, de la dernière photo Instagram de Bruno Le Maire à la montagne, des derniers clichés de vacances people entre M. Véran et M. Attal, du préférendum d'un gouvernement qui ne sait plus comment nous prendre pour des gogos, du dernier livre de Sarkozy, des dernières bisbilles au sein de la NUPES. Mais on s'en contrefiche de tout ça. On n'en a rien à faire de tout ça. Rien. Il faut être conséquent. Il faut être solide. Il faut être sérieux. C'est-à-dire 100% anti-système. 100% anti-Macron. 100% anti-oligarchie. 100% pour la vérité. La France libre et le peuple de France. Voilà ce qu'il faut faire.
Vous avez parlé de liste de sujets, ils ont ripaillé avec Macron, ils ne parlent que de ça. Et bien moi, je préfère qu'on parle de la guerre d'Ukraine à nos portes. Je veux la paix, moi. On veut la paix depuis le premier jour. Je veux donc une France qui cesse d'être la remorque des projets de guerre de faucons américains, ceux qui ont fait sauter Nord Stream, ceux qui agitaient des fioles vides, vous savez, à l'ONU en 2003 pour nous dire d'aller attaquer Saddam Hussein, l'Irak. Je veux qu'on mette à terre le projet fou OTAN 2030, qui est un projet de guerre mondiale. Et donc je veux que la France quitte l'OTAN. Cette organisation devra être dissoute. Parce que tant qu'elle sera là, ce sera la guerre, ce sera les coups d'État organisés, les fausses révolutions et le chaos du monde. Je veux qu'on parle de cette inflation dingue. Cette hausse des prix, notamment de l'énergie, encore le 1er août, plus 10% électricité. Enfin, ils nous en réservent une prochaine le 1er février. Des Français étranglés, des entreprises qui mettent la clé sous la porte, et on continue plus belle. Alors, je le dis très clairement, nous devons d'abord stopper immédiatement les sanctions anti-russes, parce que, oui, monsieur le maire, elles ont bien mis une économie à genoux. Hein. Mais c'est pas la russe, hein. C'est la nôtre, hein. Champion, hein, monsieur le maire, vous maîtrisez autant la mise à genoux des économies que la superficie des hectares. Nous devons quitter immédiatement le marché européen de l'électricité, qui ne sert que les intérêts allemands et des concurrents parasites d'EDF qui ne produisent rien, et on divisera immédiatement par 3 ou 4 les prix. Franchement, c'en est assez du grand sabotage national. Ceux qui sabotent le pays depuis tant d'années doivent être considérés pour ce qu'ils sont, des traîtres, et donc être jugés pour ce qu'ils font, la haute trahison. Vous voulez parler d'immigration? D'accord, parlons-en. Mais commençons par reprendre le contrôle en quittant Schengen, la CEDH et l'Union européenne. Parce que sinon, vous pourrez toujours dire des mots très forts, taper très fort de votre petit poing sur la table en disant « j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus ». Mais vous finirez comme Mélanie, x2, trahison totale. C'est ça la réalité. Vous voulez parler d'agriculture? Vous versez même parfois des larmes de crocodile, quelle indécence, sur les suicides paysans. Pas grand monde en parle, hein, 2 par jour dans nos campagnes. Hein. Souvent au bout d'une corde. Hein. Alors commencez par combattre, comme l'ont fait victorieusement les paysans néerlandais, contre les projets de destruction de notre cheptel. La Cour des comptes a demandé l'exécution de 200 000 vaches françaises. Ça vient de l'Union européenne, hein, ça, ils font la même chose, je vous l'ai dit, aux Pays-Bas, ils ont demandé la même chose en Irlande, au nom de l'écologie. Non mais c'est une plaisanterie, parce que pendant ce temps-là, Ursula von der Leyen, elle va signer à tour de bras des accords de libre-échange, qui font qu'on importe comme jamais des tonnes de bœuf et de viande du Mercosur, du Chili, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, demain d'Inde, au mépris évidemment de la pollution de la planète et de la condition animale d'ailleurs, et de la qualité de ce qu'on a au final dans nos assiettes. Ce ne sont pas nos vaches qu'il faut exécuter, c'est bien plutôt le cheptel de Bruxelles qu'il faut réduire drastiquement. Ce sont les vaches à lait de la Commission dont il faut se débarrasser. Ce ne sont pas nos vignes qu'il faut arracher. Ce sont leurs pots de vin qu'il faut leur arracher des mains. Voilà la réalité. Alors, paysans de France, résistez, battez-vous, vous nous trouverez toujours à vos côtés. J'entends pas non plus les oppositions du dîner de com nous parler de la société de restriction de liberté qui est en même temps une affreuse société de caste. Hein. Ça va ensemble. Hein. Cette société que les mondialistes veulent nous imposer. Nos libertés attaquées, vous en avez beaucoup parlé, par le règlement européen DSA contre les réseaux sociaux, contre la liberté d'expression. On veut au contraire une loi qui punisse sévèrement la censure et qui condamne lourdement les censeurs. Et en même temps, je le dis avec force, tout ce qui est passe sanitaire, vaccinal, carbone, comme vous voulez, tout ce qui est confinement, tout ce qui est euro, identité numérique, tout ce qui est toute cette quincaillerie de Davos, de l'OMS, de l'Union européenne, de Macron, de Véran, tout cela
doit être purement et simplement interdit, combattu, pourchassé et rendu anticonstitutionnel. C'est simple, c'est clair, c'est net. Car il en va, mes chers amis, il en va de nos libertés, bien sûr, mais au-delà, il en va de notre dignité de Français libre et d'être humain intègre et debout. À l'inverse, l'argent liquide doit être, comme en Autriche, comme en Suisse, comme demain, par une loi au Royaume-Uni, sacralisé par la Constitution et par la loi. Le pouvoir infini de la banque et de la grande finance doit trouver une limite claire face à lui. Et puis bien sûr, je ne les entends pas sur ce qui constitue le plus gros scandale sanitaire de ce siècle et des années à venir. Les effets secondaires, peut-être que je devrais dire d'ailleurs les effets primaires, des injections Covid. Alors là, c'est le grand silence. Médias, Assemblée nationale, Sénat, gouvernement, Élysée, grand silence. Mon cher Aldo, le radar ne capte rien et c'est pas bon signe. La tour de contrôle ne répond plus. Ça, c'est pas bon signe. Alors, on va compenser leur grand mutisme en faisant un ramdam d'enfer. On le fait déjà. Il y a derrière tout cela des incapacités, des blessés. Il y a des morts. Il y a des familles en deuil. Il y a de la souffrance. Et c'est notre devoir sacré d'obtenir vérité et justice sur cette affaire. D'aller chercher non seulement les SMS d'Ursula avec Bourla, mais tous les responsables et tous les coupables, d'obtenir justice, de les mettre, je l'ai dit, en tôle, car quand on a fait ça, on est capable de refaire ça. Il faut les empêcher de nuire. On lâchera pas l'affaire. Je vais vous dire, et si l'hystérie Covid était de retour, ou n'importe quelle hystérie, là, qui nous imposerait un masque, ou un vaccin obligatoire, ou même un couvre-feu, un confinement, ben nous le disons déjà d'ores et déjà, ce serait la désobéissance totale, collective et organisée. Les patriotes ont toujours pris leurs responsabilités et les prendront toujours. Alors vous le voyez, on a du pain sur la planche. Hein. Donc ça ne nous fait pas peur. Ça fait peur à quelqu'un ici? Rien ne nous fait peur. Nos cœurs sont gonflés à bloc, nos manches retroussées et nos âmes vaillantes. Alors, il y a bientôt un rendez-vous important, en juin prochain, les élections européennes. Bon, je sais, beaucoup ici et ailleurs d'ailleurs, hein, ne croient plus vraiment aux élections, aux urnes, hein, à tout ça. Comment d'ailleurs ne pas les comprendre? Mais je vais vous dire trois choses. D'abord, notre horizon des prochains mois ne va pas se limiter aux élections européennes, certainement pas. Je l'ai toujours dit, je ne varie pas. Le combat politique avec un P majuscule, sérieux, ne se réduit pas aux urnes. Il doit être permanent, il doit être quotidien, et nous serons là chaque jour avec vous pour organiser moult opérations en France, dans la rue, dans les tribunaux, devant les sièges des grandes banques, des grandes boîtes, des grands labos, des ministères, pour secouer le cocotier, pour alerter, pour réveiller, pour proposer, pour se rebeller, pour rassembler et pour tout changer. Élection européenne ou pas, on est là, on sera là, on a toujours été là. Deuxième chose, j'aurai l'honneur de mener une liste aux élections européennes et j'aurai l'honneur de la faire gagner. On ne gagnera pas dans la compromission, dans la tiédeur, dans la soumission ou même la demi-soumission. Au politiquement correct, au prêt-à-penser, à l'air du temps, comme on dit, qui n'est souvent que ce que souffle l'oligarchie à l'oreille des médias. Non, vous pouvez me faire confiance, vous pouvez nous faire confiance. Je vous le dis, vous pourrez retrouver foi en l'engagement politique avec un P majuscule, parce que dans ces élections, on ne sera pas différent de ce qu'on est maintenant. On ne dira pas des choses différentes. Si je mène une liste, c'est pour qu'elle dise les choses, hein. Sinon je reste chez moi. Ça ne m'intéresse pas. Sans détour, sans langue de bois. On veut le Frexit, alors on défendra le Frexit. On veut nos libertés, alors on défendra nos libertés.
On en a marre de l'oligarchie. Alors on va faire une liste 100% anti-oligarchie. Ce sera même sûrement la seule d'ailleurs. 100% anti-système. On va leur rentrer dans l'art. Dans l'art de l'Union Européenne. Dans l'art de la Macronie. Dans l'art de ces fausses oppositions qui trahissent à tour de bras. Dans l'art des grands médias aussi, qui voudraient nous imposer notre manière de penser et de dire. Dans l'art des corrompus, des covidistes, des va-t-en-guerre, de toute cette clique, des gays et Ursula, des bourlas, des schwabs, etc. On va leur rentrer dans l'art. 100% libération de la France. 100% souveraineté. 100% liberté. 100% vérité. 100% paix. 100% résistance. 100% France. Voilà notre liste. Troisième et dernière chose, je veux le rassemblement. Je vis pour le rassemblement. Je ne supporte pas les crises d'ego qui nous divisent si bêtement, de façon si irresponsable. La France, le monde vont bien trop mal pour qu'on se permette d'être divisé. C'est un crime d'être divisé, quand on peut faire autrement. Un crime contre nous-mêmes, contre notre France, notre humanité, notre monde, et contre les futures générations, qui ne peuvent pas encore se battre. Mais on a le devoir de se battre pour elles. Puis je vais vous dire, c'est aussi un crime contre nos aïeux, qui se sont sacrifiés pour beaucoup, hein, pour qu'on vive dans un beau pays, qu'on vive libre. Alors je vais le dire, vous m'entendez bien. Je sais que je le répéterai, parce qu'il faut toujours des gens... Je vous demande de répéter les choses, c'est normal, mais je vais vous le dire de la façon la plus claire qui soit. Tout souverainiste sincère, a fortiori tout frexiteur conséquent, est appelé et attendu sur cette liste et dans ce combat. C'est clair, c'est net, c'est dit. Votre maison brûle, que les pompiers sont pas là, que vous êtes démunis face aux flammes, ben on ne mégote pas. On ne cherche pas mille prétextes. On ne s'amuse pas à dire « Ben non, je ne veux pas que tel voisin vienne m'aider parce que je l'aime pas. » Parce que j'ai acheté ma maison avant lui, il a construit une maison plus grande que la mienne à côté. Parce qu'un jour, on s'est fâché. Parce que s'il m'aide et qu'on arrive à éteindre les flammes, je devrais partager la gloire d'avoir éteint les flammes avec lui. Parce que j'aime pas sa coiffure. J'aime pas sa femme. J'aime pas ses amis, j'aime pas ses habits. Ben, je vais vous dire, le temps que vous disiez tout ça, votre maison elle a cramé, vous êtes mort, le feu s'est propagé et tout le monde est fichu. Donc un peu de sérieux, voilà, juste un tout petit peu de sérieux et de maturité. Unité, vérité, responsabilité, amour de la France. Si on s'en tient à ça, et c'est déjà pas mal, si on est réellement sincère, si on n'est pas bouffi d'orgueil et d'ego, on comprend immédiatement qu'aucun faux prétexte ne tient et ne résistera à l'appel au rassemblement pour sauver la France, sauver nos libertés, nos vies et notre humanité. Parce que c'est bien cela. C'est ça. L'esprit des patriotes. C'est ça
l'esprit, et ce sera ça, l'esprit de notre liste aux élections européennes. C'est cet esprit que d'éminentes personnalités rejoindront, à n'en pas douter, apportant leur expérience, leur force, leur conviction, leur sincérité, leur amour du pays. Je leur dis d'ores et déjà par avance, bienvenue, on va faire un boulot formidable. En 2018, à Arras, nous avions planté une graine, là. À Beaurand, en 2021, nous voyons l'arbuste grandir chaque jour. À Arras, en 2023, aujourd'hui, les patriotes sont un arbre robuste. Ses racines ont profondément pénétré le sol. L'arbre tient debout. Il est ancré. Aucune tempête ne peut plus le faire vaciller. C'est fini. Son tronc s'est épaissi. Il a grandi. On peut s'y accrocher comme on s'accroche au roc dans la houle. Il est droit comme le sont nos convictions. Il fonce vers le ciel comme nous fonçons vers notre avenir. Ses branches et son feuillage sont fournis comme le sont les milliers d'âmes et de cœurs qui chaque jour sont au combat. Ses branches et ses feuilles visent le soleil et s'en rapprochent chaque jour un peu plus, comme nous visons le meilleur et tentons chaque jour de l'atteindre. N'oublions jamais la graine qu'il fut au départ et la somme de labeur qui a été nécessaire pour en arriver là. Restons fidèles à ce que nous sommes. Ouvrons nos bras à ceux qui voudront nous rejoindre. Aimons chaque jour davantage la France. Soyons chaque jour plus forts, plus sûrs, plus solides. Cultivons nos âmes. Je vous l'annonce, vous êtes tous les bienvenus. Merci. Rejoignez-nous, aidez-nous, aidons-nous. De la racine au ciel, du ciel à la racine, ne faisons qu'un. Et demain, l'arbre sera le plus grand de la forêt. Et ce sera notre victoire. Et ce sera notre victoire de France. Vive la liberté, vive la résistance, et vive les patriotes, et vive la France libre! Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Égorgés, nos fils et nos compagnes, aux armes, nos citoyens. Les stands restent ouverts pendant encore quelques temps et nous venons possible. Pour permettre au mouvement de continuer à avancer. Il y a également un stand du Cercle Aristote et de Charles la revue des filles du journalisme. Merci, merci, c'est pas grave, c'est la famille. On a plein de matos à apporter et tout. Non, je suis mort, qu'il faut pas. Alors à nous. Ah bah c'est sympa. Je mets quel prénom ? Nathalie. Nathalie ? Oui. Merci pour ce congrès. Franchement, j'ai vécu une journée géniale. Eh bah, je suis ravi. Vous avez fait un discours. Merci beaucoup. Ah bah super. On était ici pour le premier congrès des patriotes. On était à Arras. On était 400. Là, on était 1600. 4 fois plus du monde, des invités hyper variés, des invités qu'on avait pour l'instant pour beaucoup jamais vus dans nos événements, qui ont pris la parole, de la ferveur, d'énergie, une envie folle des gens de se battre sur le terrain, une annonce pour les européennes.
que demande le peuple, quoi. Non, on est ravis, c'est très bien. Je félicite tous les bénévoles, tous les organisateurs, parce que ça a été un sacré boulot, c'est un gros boulot. Et ça nous permet d'avoir un très très bel événement. Il fait une dédicace, il a pas entendu. Bonjour. En fait, il est sorti donc. Je vous l'ai dit, bonjour. Que j'allais dire. Marcel, oui. Vous me rappelez, vous m'avez répondu. Oui, oui. Vous dites que j'allais venir. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah ben moi, très très bien. Et je peux vous dire quelque chose, c'est que tout simplement, je ne savais pas, comment je pourrais dire, on m'a poussé à venir. Donc je suis venu, mais je ne savais pas pourquoi. Et je trouve qu'il y avait une raison. Donc la raison, c'est ce que j'ai entendu. Tout. Voilà. Merci.